cavalo fico em outro lugar. Lugar. Vai, 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 vai. Bien joué. Super. Là, que vous avez placé. Bravo. Super. C'est le Brésil. C'est bon. C'est le Brésil. C'est le Brésil. Non. Bien joué. 62 passes. Pas très bien arbitré, moi. Buongiorno a tutti, a questa settimana si parlerà di sport, amateur, ma soprattutto di sport professionale. A chi? All'OGC Nice, le giovani possono imparare a prendere l'UNISA. E oh, a chi è il grande futuro footballer? Licia e Issa Nice. L'OGC Nice è un club historico del football français depuis 1904. La culture nissarde, Lucas Nice à la belle, sont des éléments forts de son identité. As-tu la belle. Ouais. Buongiorno. Ben. La taula. La taula, propi ben, perfette. La sietta. Voilà. Cos'è ben dici? Cos'è nissarde? La fucchetta. La fucchetta, propi ben. Vas-y. Le couteau. Ben. Vas-y, je t'écoute. Loupin. Alors justement, loupin, c'est normal. Parce que tu as IN en français, on va plutôt le dire, on va le traiter en 1. Et ici, en niçois, eh ben on va le traiter en I. Puisque avec ce son à la fin nasalisé de N, qu'on mange presque, donc on l'entend presque pas. Donc loupim, loupim, loupin, loupin. Voilà, c'est des sons auxquels on n'est pas habitué en français finalement. Hein. Mais qu'on va devoir, eh bien, ici s'habituer pour justement, si on veut commencer à parler niçois. L'Unisart est un peu d'impertu, à qui? Comment elle est venue cette volonté du club? Ben, elle est intrinsèque à nous, elle est dans notre ADN, donc c'est tout sauf de la communication. Même si je suis directrice communication, je suis surtout gardienne du temple. Mmh. Parce que pour les Niçois, voilà, on ne peut pas mentir à un Niçois. Donc vous retrouvez de partout, comme on disait dans le logo, la date, l'aigle qu'on a fait baptiser par les enfants niçois. Pareil, c'est pas du marketing. Les tribunes, on a rebaptisé les tribunes, ce sont les supporters qui ont rebaptisé les tribunes. Le chant Nice à la belle, qui est emblématique de la ville de Nice, est chanté avant chaque match, mais il est aussi marqué sur un mur où les gamins passent devant, ça compte ça? Bien sûr, c'est un marqueur très fort de notre identité, donc les gamins du centre, mais aussi les gamins du Méfi Club, le club d'enfants qu'on a créé de moins de 12 ans, de supporters de l'OGC Nice, qui l'apprennent déjà dès le plus jeune âge. Et je crois que chacun d'entre nous a ressenti, toujours à les poils qui se hérissent, qu'on soit niçois ou pas, sur cet hymne. Donc c'est très important que les joueurs, nos joueurs, que ce soit les jeunes, mais aussi les pros, s'imprègnent de ça. Votre propriétaire du club est anglo-saxon. Pour lui, est-ce que ça a une certaine résonance malgré tout? C'est pas antinomique d'avoir la mise en avant des langues régionales et du Nissart au mitant des lingues. Mais je vous renvoie la question. Est-ce qu'à Barcelone, ils se posent cette question? Est-ce qu'au Bayern de Munich, ils se posent la question? C'est des les plus grands clubs du monde. Ils ont tout compris. Leur ADN est la pierre angulaire de leur projet. Notre propriétaire est très touché par ça. C'est un club historique, on en fait 120 ans l'année prochaine. On y va les gars! Il m'énerve trop quand il fait ça! Non, donne le bif. C'était très bon. Ça fait du bien, c'est quoi ça? Ça fait du bien aux muscles? Je comprends pas. It's good for the muscles? Ouais, et mental. Mentalité.
super bien trouvé, on a fait de très très belles actions. Et ouais, ça fait toujours plaisir, ça fait prendre de la confiance à tout le monde et voilà, on est content. Apporter à l'équipe, quelle complémentarité ils ont les uns les autres, quel état d'esprit ils ont. On doit aujourd'hui construire une grande équipe. Il y a des étapes, ça va se faire par étapes. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va? Un petit message de Kefren qui vous... Ah, regardez, venez voir. Oui, c'est un message de Kefren. Bonjour les enfants, c'est Kefren Thuram. J'espère que tout va bien et que vous êtes prêts pour... la séance d'aujourd'hui, j'espère que ça va très bien se passer. Aujourd'hui, il y aura Jordan Lutomba et notre tout nouveau parrain, Teddy Boulendi. On va bien profiter tous ensemble et j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Allez, Nice! Aujourd'hui, on vous a préparé une bonne petite séance d'entraînement. Et du coup, il fait beau tout ça et du coup, on va s'amuser ensemble et on va jouer au football. Aujourd'hui, on est présent pour le projet Toi plus moi, OGC Nice. Le projet est quand même un projet qui a valeur de sensibiliser, d'apporter en fait un autre regard sur le handicap. Et l'OGC Nice, par son engagement au travers du fonds de dotation de l'OGC Nice, véhicule ces valeurs-là, du coup, humanitaire. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir ce partenariat parce qu'ils sont déjà sur du long terme sur cette action-là. Je suis content d'être avec Lutomba et Teddy, je suis content d'être avec vous. Je suis fan de l'OGC Nice, je suis abonné à l'Alliance. On a fait une petite après-midi découverte, un peu avec tous les jeunes de Toi plus moi égale OGC Nice. D'ailleurs, donc, je suis le nouveau coparrain de cette association et du coup, j'en suis très très content en duo avec Kefren. Hâte de les revoir pour voir aussi leur progression. Jordan et moi, on tenait à vous remercier déjà pour l'après-midi qu'on a passé avec vous parce qu'on s'est régalé. En plus, on a vu du beau jeu et on espère vous revoir très rapidement et qu'on aura vu la progression tout au long de la saison. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est toi qui contrôle pas. Oh! 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 Normalement c'était 10 minutes chacun. L'OGC Nice retrouve ce jour-là un groupe presque au complet. On a déjà fait une semaine avec une partie de l'équipe. On était 12-13. Puis là il y en a 7 qui sont revenus. Donc il faut faire un mix entre les réintégrer, mais il faut faire attention parce que si on va trop vite, ils vont se blesser. Donc, il faut être très prudent avec certains joueurs, mais les autres, ils commencent à être prêts. Quoi. Dans une ambiance presque de début de saison, les joueurs se sont retrouvés la semaine dernière, après avoir coupé pendant 15 jours. C'est bon. Un arrêt forcé, en plein mois de décembre, qui rend ce championnat si particulier. C'est spécial d'avoir une prépa en plein mois de décembre, alors que d'habitude, les matchs s'enchaînent. D'un point de vue personnel, ça va, moi ça ne m'a pas dérangé. Bien au contraire, ça a fait du bien, ça a permis de se ressourcer. Surtout avec l'Europe, le fait qu'on enchaîne les matchs un peu tous les trois jours. Je trouve que ça fait du bien un peu d'avoir une petite coupure. Pour les Niçois aussi, difficile de passer à côté du mondial, surtout lorsque le Maroc défie l'Espagne. La Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion pour certains de gagner du temps. Comme Mario Lemina, toujours blessé à la cheville, qui tente de revenir à la compétition. Ça m'a fait du bien de savoir que c'est pendant la Coupe du Monde. Après, personne ne souhaite d'être blessé. Mais je pense que pour moi, c'était une chance qu'il y ait la Coupe du Monde entre le championnat et ma blessure. Et franchement, je travaille, on travaille. Et on espère que ça ira bien. Nous voyons
vie de bandit. Je crois qu'il y a un changement. Je suis trop dégoûté des gens. Attends, je repense. Voilà. Encore. Ouais, ouais, là, t'as pas vu, t'as pas vu. Ouais. Tu l'as? Bien joué. Pas mal, ouais, bien joué, bon. Mets la tête. Casse-toi. Contrôle, contrôle. La retourner. Oh. Wow, une autre belle journée en Espagne. Allez le bleu, allez. Est-ce que je prends un caoué ou je prends pas un caoué? Oui, oui, oui. Tu vas plonger aujourd'hui. Hein? Tu vas plonger dans, non, regarde, dans ça. Argentina, Argentina, perde oggi. La France, à la maison. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, Brésil, Pays-Bas. Amen. Brésil, les favoris des gagnants du monde. Rappelez ça. Garde ces vidéos. Vainqueur en 1997 de la Coupe de France avec l'OGC Nice, Thierry Deniff est l'un des rares Guyanais avec Bernard Lama, Jean-Claude Darcheville et Florent Malouda à avoir remporté cette épreuve. Des études dans le sport, toujours dans le sport, et puis avoir la chance d'entamer une petite carrière de footballeur professionnel, ce qui m'a vraiment... Petite, vous remportez la Coupe de France quand même en 96. Oui, c'est vrai, 97. 97. En ouais. Mai 97 avec l'OGC Nice, c'est vrai, un grand moment de ma carrière, c'est vrai. Et les équipes qui font leur entrée sur le terrain. Voilà, la conclusion de ce beau stage commence. Donc une belle frappe de Bilal Brahimi, et c'est le but de Bilal Brahimi. Le numéro 33 de Girona qui va frapper, et le but, l'égalisation
Garcia qui centre. Et attention là, 2-1. Qui joue avec Ilié, Ilié qui décale sur Daouda Traoré. La frappe de Traoré. Le poteau. Le poteau de Daouda Traoré. Quelle frappe de Daouda Traoré. Le gym qui s'incline 2-1 contre le FC Girona. Il faut qu'on continue. Là, on va rentrer sur Nice. On aura un petit moment libre dimanche et puis lundi c'est reparti. Parce qu'on joue déjà vendredi prochain contre Atalanta.